l'équipe du 5-6 vous souhaite une bonne année. L'équipe du 8-7 vous souhaite une agréable et une très bonne année 2021. Bonne année. Les 8 du Sporting Club Castoux vous souhaite une bonne année. L'équipe du 9 vous souhaite une bonne année. Bonne année. Les U10 du Sporting vous souhaitent une bonne année. Les U11 du Sporting Club d'Asbrook vous souhaitent une bonne année. Tous les U12 vous souhaitent une bonne année. La catégorie U13 vous souhaite une bonne année. Bonne année. Bonne année. Je souhaite une bonne année. Bonne année. Toute l'équipe des U14 U15 vous souhaite une bonne année. Bonne année. Les U15 de SCH vous souhaite une bonne année. Les U16 vous souhaitent la bonne année. Tout le groupe U17 vous souhaite une bonne année. Bonne année. Les U18 du SCH, je vous souhaite une bonne année. Bonne année. Tout le club vous souhaite nos meilleurs voeux 2021. Bonne année. Eh bien, merci les jeunes pour votre belle prestation pleine d'enthousiasme. À mon tour de vous présenter mes voeux. Très heureux de retrouver cette bonne pelouse de Damette. Ma foi, un peu privé de jeu, mais qu'on retrouve avec plaisir par ces temps difficiles. J'ai demandé de faire cette vidéo pour remplacer la traditionnelle cérémonie des vœux. Cette cérémonie ne pouvant pas se tenir pour les raisons que l'on sait, nous avons imaginé une vidéo associant les jeunes et leurs éducateurs. Alors, ces vœux sont adressés, bien entendu, à tous ceux qui font partie de la grande famille du Sporting, que ce soit les joueurs, leurs éducateurs, les arbitres, les bénévoles, les dirigeants et tous les sympathisants du Sporting. Je leur souhaite bien entendu une excellente année 2021. Nous avons tourné la page de cette année 2020 avec beaucoup de plaisir, pensant que, compte tenu qu'elle était sur un plan sanitaire particulièrement difficile avec les incidences connues sur le plan sportif, nous en avions fini. Malheureusement, au moment où je vous parle, nous vivons la même situation que l'année dernière. Néanmoins, gardons le cap, restons optimistes et pensons que cette année nous permettra de vaincre enfin cette pandémie. Je tiens à remercier, à l'occasion de ces vœux, puisque c'est également la tradition, je tiens à remercier tous les membres du club qui ont permis à différents niveaux de respecter le protocole qui nous a été présenté par la municipalité, que ce soit bien entendu les joueurs et leurs éducateurs, mais également les parents des joueurs, des jeunes joueurs qui bien entendu ont gardé leur distance vis-à-vis de leurs jeunes, ce qui pour certains, on imagine, est un crève-cœur. Mais je voulais bien entendu au nom du club les remercier parce que grâce à leur rigueur, ils ont pu éviter de transformer notre club en foyer de contamination. Continuons dans ce sens. L'occasion donc également de remercier nos partenaires. Les partenaires du club sont bien entendu en premier lieu notre municipalité, avec qui nous avons des liens de confiance mutuelle. Nous sommes bien entendu, nous inscrivons dans le cadre d'une mission qui nous a été confiée, celle d'accueillir les jeunes de notre territoire, de leur assurer une formation dans le respect des valeurs sportives, et nous remercions donc la municipalité de sa confiance. Nous sommes également confiants parce que nous savons que nous pouvons compter sur leur soutien permanent. Je voudrais également remercier la CCFI qui, dans sa volonté d'accompagner le sport élite, ma foi, dont on fait partie, nous gratifie également de son soutien. Remerciements également, bien entendu, à nos partenaires sponsors, qu'ils soient challenger, calendrier, pour leur soutien dans des conditions parfois, malheureusement, économiquement
un peu délicate, mais qu'ils soient entrepreneurs, artisans ou commerçants, ils sont restés fidèles à nos couleurs et nous permettent d'envisager l'avenir avec plus de sérénité. Je voudrais enfin remercier les membres du comité directeur. Grâce à ces bénévoles de l'ombre, nous avons pu conserver un club en état de marche et nous saurons, dès que les conditions le permettent, nous pourrons reprendre grâce à eux une marche normale de nos activités. Enfin, je voudrais dire un grand merci à Clem de Molle et bien entendu en relation avec les différents éducateurs, je voudrais dire un grand merci à Clem de Molle qui a organisé cette vidéo qui, je le pense et je le souhaite en tout cas, est un succès. Et enfin, je garde le meilleur pour la fin, je voudrais remercier ma fille chérie Constance qui, en fin de compte, est actuellement en train de me filmer et qui a réalisé cette belle vidéo. Un grand merci à toi, Constance. Voilà, avant de vous laisser, de vous quitter, je voudrais renouveler mes bons voeux pour cette année 2021, qu'elle vous soit bénéfique et qu'elle nous permette enfin de nous retrouver à Damette, on va dire, comme au bon vieux temps. Ce souhait, espérons qu'il soit exaucé le plus vite possible. Je souhaite à tous une excellente année sportive et je dis vive le sport à Sbroucois.